Blandine. Alors, première question, déjà, ce retour en présentiel, comment ça se passe ? C'est un vrai bonheur, vraiment, de revoir les personnes, de pouvoir discuter sur tous les sujets. En fait, ce qui va très bien en présentiel, c'est qu'on peut digresser, on n'est pas que sur le produit ou la solution. Et donc, ça change tout dans les relations. Et c'est pour ça que nous, chez Sentinel One, on voulait vraiment être présents sur le salon. Alors, je crois que c'est important, ça donne beaucoup de sens de retrouver nos partenaires, nos clients, de pouvoir enfin échanger avec eux. Ça nous manquait. Et donc, on est ravis de pouvoir participer à cet événement majeur qui est organisé par DG Consultant. Bah, c'était très bien, c'était surprenant. On faisait ça presque tous les jours avant. Et là, les habitudes reviennent très rapidement. Donc, c'était très, très plaisant. Mais chez nous, ça se passe très bien. C'est agréable de revoir un petit peu les collègues. Après, on est un petit peu en télétravail et en présentiel à la fois. C'est une autre façon de travailler, c'est plutôt sympa. Et on se rend compte qu'il y a des nouvelles façons de s'organiser, autant sur les outils de travail que sur la collaboration avec les collègues qui sont à mettre en place, et c'est intéressant. Ça fait vraiment bizarre, parce que déjà moi ça fait un an et demi que j'avais pas refait de vrais déplacements, j'étais allé voir quelques clients. Mais ouais, ça fait un peu bizarre. J'ai même eu du mal à préparer ma valise, pour tout vous dire, sur 3 jours. Mais ouais, non. Mais en tout cas, c'est vraiment bien de revoir les gens en présentiel, parce que faire des zooms et que des calls en remote, ça commence à être un peu pesant. Donc plutôt content et satisfait. Eh bien, écoute, Héloïse, je pensais que ça allait être particulier. Mais quand on arrive sur Monaco, c'est bien géré dès notre arrivée dans les hôtels, dès notre arrivée sur le salon, la distanciation est respectée. J'ai même eu le droit d'enlever mon masque exceptionnellement pendant quelques secondes. Je suis heureux de pouvoir te parler, Héloïse, parce que après je vais devoir remettre ce masque. Mais aussi bien l'Esquipe comme Exposium que la Principauté gère ça de façon parfaite. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. On l'attendait. D'autant plus que c'est à Monaco, c'est durant la période estivale, donc c'est vraiment un bel événement pour nous. On est content, on a déjà rencontré un certain nombre d'acteurs du domaine, et c'est la première fois pour nous, le Ready for It, et donc c'est une autre communauté avec laquelle on fait connaissance. Très contente. Enfin, on peut faire notre métier, celui de réunir la communauté. Une communauté qui a vécu vraiment dans l'impossibilité de se rencontrer. Et s'il y a une leçon de tous ces mois de crise, c'est vraiment le besoin de l'échange humain, du partage, échange entre êtres humains. Le présentiel, il n'y a rien de mieux. Et notamment sur les formats rencontres d'affaires tels que celui qu'on a chez Ready for It ou les Assises.